Allô? Ouais. Déjà? Jessica, ma copine. Voilà. Salut. Et là, je te présente Myriam. Ça va? Ça va, ça va. Allez-y, faites comme chez vous. Hein. Allez-y. Ah. Ça va? Nickel. Ça va. Merci. Oui, donc je suis venue te voir parce que Sandra m'a dit que tu n'as pas fait super bien. Donc, faire un petit tissage parce que j'ai envie de me chevaler dans le tour. D'accord, il n'y a pas de souci. Et pour toi, Josiane? Oh, moi, c'est juste pour un peu de maquillage. Tu fais du maquillage éventuellement, histoire de. D'accord. De toute façon, je vais m'occuper de Myriam et Sandra va s'occuper de toi, d'accord? Ouais, d'accord, merci. Maquillage. Voilà. Bon, venez, installez-vous et puis voilà. Bah, tu prends ton geste. Oui, d'accord. Voilà. Bon, maintenant, je m'installe, hein. Je fais comme chez moi. Voilà, comme d'habitude, de toute façon. Donc, tiens, je te donne ça. Mmh. Voilà, installez-vous en fait comme chez vous et tout. Donc, Et là, je lui dis, franchement, je suis pas assez bien pour toi. Tu mérites mieux, t'as toujours été gentille. Et moi, j'ai pas su te rendre l'appareil. Franchement, c'est mieux qu'on arrête là. Laisse tomber entre nous deux. Et je suis partie. Moi avec les gars, tu ne blagues pas moi. Si tu ne veux pas, tu sautes, c'est pareil. Maman. Toi, je vais te voir comment un jour. Moi. Ah, tu sais que je ne blague même pas. Moi, j'ai pas pu t'acquérir là. J'en ai ramassé un bien fait rapidement. Qu'est-ce qui s'est passé? Raconte-nous alors. Tout d'abord, on s'est rencontrés sur internet. Là. On a commencé à bien discuter, tout ça. Tu sais que c'est pas très très bien mon style. Oui, je connais, j'aime les gars. Bien musclé, Non, j'ai quand même accepté de le rencontrer. On sait jamais, sa barbe elle a un peu poussé. Maman, attends, c'est là où tout se gâte. Elle arrive, il m'invite à aller voir une pièce d'opéra. Maman, il m'a regardé. C'est opéra qu'il me propose. Maman, moi, opéra. Maman. J'ai dit, franchement, je préfère aller au cinéma. Non, du coup, nous sommes allés au cinéma, on a dîné. Comme il a dit, il habitait pas très loin, tu vois. Il m'a invité et tout ça. Bah, j'ai vraiment apprécié ta compagnie. Moi aussi. Alain, pas trop vite, je dois rentrer. Ok, tu veux que je te raccompagne chez toi? Tu es derrière. Bah, je suis au parking, on va prendre l'ascenseur si tu veux. Tu sais, comme j'ai l'habitude des transports en commun, je ne connais pas très bien y aller en voiture. Bah, c'est pas grave, t'inquiète pas, on peut gérer ça, c'est pas un souci. De toute façon, t'es un GSP. C'est quoi le GSP? Tu connais pas le GSP? Non, du tout. C'est quoi le GSP? C'est un objet, c'est une maladie, c'est quoi le GSP? Tu blagues là? Non. Tu as une voiture. Oui. Et tu connais pas le GSP? Non, je connais pas le GSP. Mais tu es bête? Non, je connais pas le GSP. C'est quoi le GSP? Tu connais le GSP. Je connais pas, je t'ai dit. Tu sais quoi, Papi? Oui. Reste là. Moi, je préfère aller à pied. Mais t'es sérieux, toi? Tu vas trouver le GSP. Mais attends, mais qu'est-ce que tu fais là? Putain. Vous imaginez les filles,
Un garçon qui ne connaît pas le GSP. On peut pas sortir avec lui. Il ne connaît rien. Maman. On va se perdre. Mais il va faire ça. Il ne connaît pas quoi? Le GSP. C'est quoi? Non, moi je vous parle de mes affaires. Oh, c'est pas toi. Oui, ça commence. Ouais, je dis, 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 je